2024. Notre pays est confronté depuis quelques jours à un différend entre l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel, un conflit ouvert sur fond d'une supposée affaire de corruption de juges. Ainsi, l'Assemblée, se fondant sur ses prérogatives, a décidé une résolution en date du 31 janvier 2024 de mettre en place une commission d'enquête parlementaire pour éclairer sur le processus de vérification des candidatures et sur tout autre fait se rapportant à l'élection. Dans son communiqué du 29 janvier 2024, signé par tous ses membres, le Conseil constitutionnel a réfuté les allégations portées contre lui, tout en prenant la mesure de la gravité des accusations et en tenant à ce que toute la lumière soit faite dans le respect des procédures constitutionnelles et légales régissant les relations entre les institutions, notamment la séparation des pouvoirs et le statut de ses membres. À cette situation suffisamment grave et confuse est venue s'ajouter la polémique sur une candidature ou une candidate dont la binationalité a été découverte après la publication de la liste définitive des candidats par le Conseil constitutionnel, ce qui constitue une violation de l'article 28 de la Constitution, qui dispose que tout candidat à la présidence de la République doit être exclusivement de nationalité sénégalaise. Ces conditions troubles pourraient gravement nuire à la crédibilité du scrutin, en installant les germes d'un contentieux prêt et post-électoral. Alors qu'il porte encore les stigmates des violences de mars 2021 et de juin 2023, notre pays ne peut se permettre une nouvelle crise. J'ajoute qu'en ma qualité de président de la République, garant du fonctionnement régulier des institutions, respectueux de la séparation des pouvoirs, je ne saurais intervenir dans le conflit opposant le pouvoir législatif et le pouvoir. Devant cette situation, l'Assemblée nationale, agissant en vertu de ses prérogatives, m'a signé pour avis, conformément à son règlement intérieur, une proposition de loi en procédure d'urgence portant l'application aux dispositions de l'article 31 de la Constitution. J'ai pris acte de cette saisie après avoir consulté le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, le président du Haut Conseil des collectivités territoriales, le président du Conseil économique, social et environnemental et le président du Conseil constitutionnel. En conséquence, compte tenu des délibérations en cours à l'Assemblée nationale d'urgence et sans préjuger du vote des députés, j'ai signé le décret 2024-106 du 3 février 2024 abrogeant le décret 2023-2283 du 29 novembre 2023 portant convocation du corps électoral. Pour ma part, mon engagement solennel à ne pas me présenter à l'élection présidentielle reste inchangé. Enfin, j'engagerai un dialogue national ouvert afin de réunir les conditions d'une élection libre, transparente et inclusive dans un Sénégal apaisé et réconcilié. Vive le Sénégal, vive la République. Moku Sénégal, mangi lendi nuyu kenn ku nek ci turam ak santam.
di len xamal ni waxtu bi may wax ak yeen ñu ngi sentu élection bi fal président de la république ñu japp ko ci ñaar fukki fan ak juroom ci wéru février ci at mi ñu nek fan yeb nak réew mi amna lu bare bare lu fi xew ci ay tolof tolof ci walu élection bi ak processus électoral mu juddu ci lolu ben xiro ci digënté pencu ndaw réew mi ñu tuddé ko assemblée nationale ak tribunal bi nga xamné moy tribunal bu kay bi ñu tuddé conseil constitutionnel té mom mo wara sayu élection bi mo ko wara contrôler ñaari féwolo yoy nak ci digënté ñaari institution yu mag dafa andi lu bari lu mu andi ci réew mi ak ay jafé jafé ci walu élection bi ndax andi na xel ñaar wala bo xel mu tey selon ñi nga xamné dañu japp né nañu sayto seen mbir jaarul ci yoon ginaaw lolu assemblée nationale bi japp né donté amna lo xamné japp nañ né darul wala sax wax nañ be tuddu walu guerre duñu né amna way nit ñi wax nañ ko jëmele ko ci tribunal bu mag bobu ak ñassa nek wala ñenn su ñassa nek muy lo xamné lu doy war la lu Sénégal mosul xam assemblée nationale wote ci bësum fanwéri fan ak ben wéru janvier bi ñu nek taxawal commission buy def enquête ñu tuddé ko commission enquête parlementaire ngir wara mëna léral ni nga xamné nonu la mbir mi doxé ci bir conseil constitutionnel ba ci walu candidature yi kan mo wara jall ak kan mo wara jall lolu nak bamu amé conseil constitutionnel itam bi nga xamné charte réew mi daf ko jox ay pouvoir ci walam momit bind na bataxalam ñom juroom ñaari juge nga xamné ñoko xeq woné né conseil bi dakk na kaddu yoyu ñu yëkëti ak tuuma bobu ñu yëkëti jëmele ko ci ñenn ci ñom teyit woné nañ ne lepp luñu liggéey ñom ci yoon lañ ko tek waye bëgg nañu tuuma yoyu ñu léral ko léral bo xamné it da fay respecter charte réew mi respecter it li ñu tuddé séparation des pouvoirs moy pouvoir bu ci né yoon mo la jox say prérogative say dogal ak fi nga xamné fa nga wara yëm waye kenen tam mëna ñëw dugg ci loolu loolu nak bi mu amé té lepp jëm ci élection bi mu am leneen lu ci yok depuis Barki Demb lu ñëw gëna téyel xel yi muy ñu gis né candidat kat si ñu japon né ñom ñoo wara dem ci jongante bi amna ci ko xamné ndekete yo mom amna benen nationalité kon li constitution bi wax né kep kuy wut réew mi waro am benen nationalité budul bu Sénégal gis nañ né kon lolu tam nermelu na ci cas bi nga xamné mom lañu gis Barki Demb té may fatali né mo amone candidat buñ ci génné ndax waxone dafa am ñaari nationalité yoyu nak moy li nga xamné mo fi xew té naron nara indi jixi jax ci élection bi ni mo teudde nga xamné dafa wara nek élection bo xamné da fay lèr té ñu and ci lolu bi lolu amé assemblée nationale toujours ñëwaat na binduma bataxel ni nga xamantene non la ko sen charte waxé ñu tuddé ko règlement intérieur xamal ma né kat groupe ben groupe parlementaire déposer benen loi bu bes proposition de loi la buy bëgg soppi ben article bi nga xamné mu ngi jëm ci walu date élection ñom assemblée nak buñu amé sañ bobu tam faaw ñu laaj jël bataxal yëgal président la fay taw bima jotté bataxal bi dajalé na consultation sept président assemblée nationale ñëw na certainement mo waxtaan ci ak mom waxtaan ci ak premier ministre waxtaan ci ak président bu haut conseil bu collectivité territoriale waxtaan ci ak président bu conseil économique social et environnemental waxtaan ci ak président bu conseil constitutionnel ndax boy xol ginaaw cour suprême muy tribunal ñoñu ñoy constitution ñoñu ñoy institution yi nekk ci biir réew mi ginaaw ba ma waxtaané ak ñom nak waxna assemblée né dégg na li ngeen wax jot na seen bataxal kon seen liggéey mën ngeen ko continuer
ginaaw nak ñoom assemblée ñu ngi tok jamono ji di saytu ak dugg ci procédure jël na décret bi nga xamné mom moy adjandi décret bi woté won né élection bi le 25 la doon décret bobu jël nañ ko tay mu nek décret bu ñu signé tay ji ci bëss bi ngir adjandi ba xam assemblée nationale lan mo fay génné ginaaw bu ñu paré sen liggéey lima ci bëgg yok nak moy mi nekulon luñu soralé néwulon li liñu xaar wayé may fédéli kaddu yama yëkëti won fi ci sen kanam ci ñetti fan ci wéru juillet at mi ñu gën daaw di xamalé né élection bi di ñëw fasiyéné wuma nekk ci candidat loolu dama koy biralat tay ji tay ci gëna taxaw bu loolu wéso yi wala ndi xamal ne dina ubbi jabu bes bo xamne bu ludul yag ngir rew mi ginaaw jafé jafé yi ñu dundu at yi ñu fexé be dajalé rew mi ci jëm ci élection bo xamne bu lèr lay doon élection bu bo xamne tam dinañ ko ubbi be do am ben xajalé dinañu waxtaan ci kujjé politique bi ba nga xamne tam lepp li ñu wara wut ngir nuñuy séparer candidat yi nek lo xamné ñëpp dinañ ci and lolu dina permettre itam réew mi ñu apaiser ko manam andat fi jamm ju gëna yaatu be lepp luy jafé jafé lu jëm ci walu jamm ak ci walu ay jafé jafé ñu dindi ko té lu dialogue bi mo koy def kon lolu la bëggoon itam xamal leen dina ko téléphone yi di ñëw tax lepp luma yitté rek moy Sénégal ci jamm nek ci sutura